On le surnomme aujourd'hui Don Manuel. Au milieu des années 20, le Mexicain Manuel Álvarez Bravo, employé de bureau, photographe encore amateur, découvre la peinture de Picasso. Comme lui, Álvarez Bravo est un chercheur. Ce qui l'intéresse, c'est renouveler les formes de la représentation. Manuel Álvarez Bravo a donc mené cette recherche dans la photo, puis dans le cinéma. Là, on sort du pictorialisme, c'est-à-dire cette photo qui essaye d'imiter la peinture. Et lui, du coup, il sort avec ces images qui sont avec des angles très définis, où vraiment c'est la nature contre la construction contre la nature. Ça, c'est la modernité. Dès ses premiers essais, Álvarez Bravo conduit sa photographie vers le minimalisme et la pureté des formes. La composition est super. Un trou dans le mur, une ombre, et la photo est là. On voit ici à l'entrée de l'exposition des photographies qu'il faisait au tout début pour s'entraîner à faire des compositions. Elles sont déjà remarquables d'ailleurs. En pliant des papiers pour faire des compositions dans l'esprit de l'art abstrait qui prenait son essor à l'époque. Proche des peintres Diego Rivera et Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo côtoie les avant-gardes de l'époque. La créatrice Agnès B. possède dans sa collection de photographies l'une des images de cette période. Il a fait cette photo à la demande d'André Breton. Alors c'est la bonne renommée endormie. Il se rapprochait du surréalisme en fait à ce moment-là. Et Breton a trouvé ça trop sexuel. Donc il a refusé la photo. En 1931, Manuel Álvarez Bravo gagne un concours de photos qui lui permet d'acheter une petite caméra. Son but, étendre ses recherches photographiques au mouvement, autrement dit au cinéma. Ils ont découvert très récemment, dans des bobines de films de famille, des films expérimentaux. C'est-à-dire que finalement, il y avait vraiment des films qui étaient conçus, idéés, pensés par lui, en fonction des formes, de flux, de couleurs parfois, des mouvements. Il a pris un kaléidoscope, il a tourné, il faisait des expériences, oui. Il rêvait de cinéma, hein. Beaucoup, il rêvait de faire du cinéma. Et là, il en a fait un peu. Entre les années 40 et 50, Manuel Álvarez Bravo s'essaye même à l'écriture de scénarios de films expérimentaux. Faute de passer à la réalisation, il devient photographe de plateau et travaille avec Luis Buñuel sur le film Nazarine en 59. Buñuel lui donnait la liberté de travailler la photo fixe, la photo des plateaux, comme si c'était son travail à lui, à Álvarez Bravo, son travail d'artiste. Et c'est là, et on le voit dans l'exposition, où lui, vraiment, il s'épanouit dans ces images qui, finalement, comme on le sait très bien, les photos plateau, ils sont faites pour faire la publicité de films, pour la promotion. On cherche cette image qui définisse l'intrigue de film. Lui, il fait tout ça, mais en plus, il ajoute de Álvarez Bravo là-dedans.